Et re les gens. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la suite de cet épisode. Alors, tu envoies tout le monde chercher cette bière. Le pire event en vanilla. De quoi tu parles du crasher toxique là, Galgarad? Je me demande si un examen médical sur les deux safranan aurait donné quelque chose. C'est une bonne question, Merek. Au même titre que ça fait déjà quelques personnes qu'on fait pas d'examen médicaux, pardon. Donc si ça se trouve, il y a rien qui est contaminé. Hein. Ça, c'est la bonne blague, ça. Pour mes corps à corps, là. Masque rituel. Armure 33-15-15. Caneton, t'as pas de casque. Et Nerariel, t'as un bonnet. Ok. Ok. On va faire deux casques en uranium. C'est bien, ça craint rien du tout l'uranium comme ça, vous inquiétez pas. C'est juste un peu lourd, mais ça craint rien. Oui, j'ai dit deux casques. Nerariel et Canton. Safranan, elle a déjà un casque qui est plutôt badass en plus. Alors ici, comme je commence à avoir pas mal de trucs intéressants. Et oui, pour le crasher, le jeu t'oblige à partir en expédition même si t'as pas le niveau technique, sinon c'est la famine. Quand tu joues en modé, régulièrement la quête bug et le crasher reste en place malgré sa destruction. Oui, mais là j'ai pas le choix. Nuage de fumée gênante. J'ai un peu de stock de bouffe, mais pas non plus ouf. Mais ça devrait le faire. Ça avance très lentement, mes murs, forcément. Qu'est-ce qu'il fait, Pixel? Je vais Katniss. D'ailleurs, Pixel, c'est Saitam. Hein. Bienvenue à toi, Saitam. Je sais que tu nous regardes sur ton canapé en train de te reposer. Welcome to the game. Alors Saitam, tu es spécialiste tir. On va te donner une belle chambre. Hop là, let's go. Oui, il manque un bout ici. Ouais. Ouais, je le ferai tout en même temps. 15 ans il a. 15 ans et toutes ses dents. Spécialiste du tir, on a quoi ici? J'ai une carabine. Ah non, j'ai une... Alors, en plus, tu es... Non, c'est dommage, c'est que t'es pas bon aux animaux. Mais je vais te mettre une... carabine neurotoxine. Comme ça, tu vas pouvoir t'entraîner avec. Et tu vas faire la chasse. Donc, Saitam, tac, tac, en secours. Oui. Et je vais te mettre en chasseur. Chasseur-dresseur, pour essayer de faire monter ton niveau. Ça serait bon que j'ai un deuxième dresseur-chasseur. Et je vais te mettre aussi en transport à 1, quand il n'y a pas de chasse à faire. Non, à 15 ans, t'es en âge de te battre. Ça, c'est clair. Les casques, ici, il est bon. Caneton, c'est pour toi. Non, Makina, c'est pas pour toi. Il est où le second? Daziggy, je t'ai vu, Spotted. Dépose-moi ce casque. Il est comment? Il est bien. Hop, et il est pour toi, Nerariel.
priorité au corps à corps. Je vous envoie clairement vous en prendre plein la tronche. Donc voilà. Est-ce que en Vanilla, ils intègrent aussi le principe de mettre uniquement les casques quand ils sont mobilisés? Parce que ça, c'est un mode que j'utilise. J'aime bien voir vos tronches tant que vous n'avez pas de mobilisation. Et dès que vous êtes mobilisé, là, on voit les casques. Tout mettre en évidence. Mettre en évidence les hostilités, non. Silhouette, pastille, arrière-plan, menu, anomalie. Système d'art, désactiver les polices curseurs. Non. Il n'y a pas. Dommage. Ça, c'est dommage. Il pourrait le mettre en vanilla aussi. Je pense d'ailleurs que je vais le mettre en mode confort. Parce que c'est purement visuel. Si vous vous rappelez du mot No du mode, on l'a utilisé sur la campagne précédente ou sur quelques campagnes précédentes. Faut que je regarde s'il est à jour 1.5. C'est un mode qui permet de voir uniquement les casques une fois que les gens sont mobilisés. Sinon, par défaut, on voit vos tronches. Vos jolies coupes de cheveux et tout ce qui va bien. Oula, ça c'est loin. On va pas s'en occuper, ça. Bon, la salle ici, elle va mettre énormément de temps à se faire. On est d'accord. Ouais, masquer les chapeaux, exactement, Kago. Attends, comment ça? Dans les options, t'as vu un truc? Non, y'a rien là. Il me fait douter. Masquer les chapeaux sur l'interface utilisateur. Oui, mais alors ça, le problème, ça, c'est que c'est le vanilla. Ce qui veut dire qu'en gros, si je masque ici, on les voit pas. Sauf que tu vois, Canton, là, il est masqué. Si Canton, je le mobilise, ça apparaît pas. Moi, ce que je veux, c'est quand je vous mobilise, qu'on vous voit en tenue de combat, quoi, entre guillemets. Ça, c'est le truc vanilla. Mais le truc vanilla, il a juste l'option. Il manque l'option. Il manque l'option. Oh putain. Armure merveilleuse. Ok, si tu peux mettre ça au niveau de la modération, s'il te plaît, Dimbest. Oh, j'espère que je vais pouvoir récupérer l'armure merveilleuse. Elle est en train de brûler, là. ...77%. Oh, je prends un risque, là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, je prends un risque. Ok. Alors malheureusement, la température ne montera pas. La seule possibilité, c'est que le feu arrive jusqu'ici. Ce qui est possible. Avec un peu de chance, ils vont cramer, mais j'y crois pas trop. Peut-être falloir que j'y aille moi-même. On va voir ça. Une éclipse, c'est bien, ça cumule les événements.
Oh, on va pas choper Quentin. Ça ferait négliger sur le CV. J'aime bien ces arbalètes qui stun, quoi. Ah, j'ai vu que t'avais les poches pleines. Mais là, il fallait que, il fallait faire le truc, là. Même si elle est abîmée, 68%. Elle est quand même badass. Elle est quand même badass. Malheureusement, Vanilla, on peut pas les réparer. Ça, c'est bien con. Bien dommage, pardon. Mon géothermique est même pas encore construit. Tout est fait. Le seul problème, c'est les composants. J'ai qui mine, toi. Quel est le truc que vous utilisez tous là? Les chemises. Ok. Alors. Qu'est-ce qui fait le mieux en armure? En termes d'armure, de base. Faut que je fasse des t-shirts, des fringues d'enfants d'ailleurs. Chemise ou t-shirt? Alors, 7, 3, 6. Ouais, c'est la même chose. Ok. En peau humaine. Alors, je veux en permanence minimum deux excellentes et deux excellentes. Hop. Tu en as aussi dans le trou à miner. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a aussi un petit peu en dessous. Le problème, c'est que ça dépend de la température, en fait, Lorient. C'est comme quand tu utilises les bonnets ou alors les chapeaux de cow-boy. Les chapeaux de cow-boy sont intéressants quand il fait trop chaud et les bonnets, c'est quand il fait trop froid. Et bien, le principe des chemises et des t-shirts, c'est le même principe. Les chemises, je crois que c'est plus pour l'hiver. Attends, je vais vérifier ça vite fait, comme ça, on aura la réponse en live. Alors, les chemises, c'est plus pour l'hiver, je crois. 4, 7, 1, 8 et les t-shirts... Voilà, t'as vu. Même pas, c'est carrément mieux de faire des chemises, tout court. Esthétique, moins 3. Attends, il n'y a aucun intérêt? Putain, je pensais qu'il y avait un intérêt entre les deux. Ah non, protection... non, même pas. Attends. 4, 1, 8. Donc 4, 1, 8, je dis bien. Et là, ici, 4, 7, 1, 8. Donc en fait, non, il vaut mieux faire des chemises tout court. Ok. Eh ben, on va faire des... on va faire des chemises tout court. Je pensais qu'il y avait une différence entre les deux. Si c'est pas le cas, aucun intérêt. Rien à foutre. Chemise et t-shirt, c'est pareil. C'est manteau par cas pour la température. Alors, atterrissage forcé. La navette de l'Empire a subi des dégâts. Il cherche un endroit où se poser. Son commandant veut atterrir. Les Itakin attaqueront l'endroit où la navette s'est écrasée dans le but de tuer ses passagers. Vous devez les défendre. Bien sûr qu'on va défendre. Et on va essayer de prendre la bonne entente. Je crois que c'est pour ça qu'on n'a pas eu la quête pour Dazigi. On a de l'honneur ou de la bonne entente. On va prendre la bonne entente. Par contre, j'ai pas le message dans combien de temps il faut que j'aille les défendre, je crois. Alors, après 8h, une navette de secours arrivera. Vous devez faire monter avant 12h. Ok. Oh, je déteste ça.
Ok. Alors, the best. Non, pas Silic parce que t'es en train de ramener des trucs. Nerarian non plus. Allez. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Dazigi, tu joues de l'harpe. Viens jouer ici du ça. Hop. Wesna, en train de fabriquer une blouse. Viens ici aussi. Saitam, t'es encore trop jeune pour ça. Ah oui, c'est mon pote. Le badass, quoi. Par contre... Non, tu vas aller en défense proxy parce que je sens qu'ils vont arriver. Et ça va pas bien se passer, cette histoire. Il y a des chevaux sur la carte. Alors, Makina, tu as toujours ton dressage, je crois. Non, il n'y a pas de chevaux. Putain, si, attends, ils sont où? Ah putain, elle est là. T'as juste une jument. Il y a juste une jument. On va la récupérer avec Makina, avec son inspiration après. Il n'y a pas d'âge pour se battre, certes. Mais si tu veux les compétences, je voudrais les maîtriser un tout petit peu, quoi. Allez, je voudrais bien qu'ils arrivent assez rapidement à l'attaque, là. Parfait. Alors. Ils n'ont pas l'armement, par contre, les Itakin, ils sont quand même assez solides, assez résistants. Alors, on va se mettre en mode burst. En espérant qu'il n'y aura pas de TK. Que ce soit moi ou l'Empire. Non, parce que je sens le truc arriver. Ah ouais, alors lui déjà d'entrée de jeu, il me plaît. Quentin, tu t'écartes, tu lâches l'animal. Quentin, tu rappelles l'animal. Léorette, tu prends des risques là. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Tu vois? Tu vois, Léorette, t'as pas écouté Quentin, bah Quentin, il t'en a mis une. Voilà, ça, c'est fait. Alors, ici, on a quoi? On a un magnifique Itakin qui est fort en tir, fort en mêlée, très fort en mêlée, 19 en mêlée, c'est une brutasse absolue. Un travail de, impossible, pardon, de diplomatie, travail artistique. C'est vraiment un furieux, quoi. Waouh! 61 ans. Oui, mais je vous rappelle qu'il y a des rituels qui permettent de faire réduire l'âge. Bonsoir, Alpha Jeff. Alors, lui, si on le prend, si on le capture, je peux vous garantir qu'il va falloir faire gaffe parce que si lui se rebelle, 19 en mêlée, ça va être compliqué, quoi.
La jument qui va bien. Apprivoiser. Makina, tu as ton inspiration. Dresseur, parfait. Alors, on va attendre que tu te réveilles, Makina. Ah oui, non, on va tenter le recrutement. Hein. On va tenter le recrutement. Clairement. Sidig, tu n'es pas venu. Alors, qui a pris des coups? Quentin, t'as pris deux patates. Morsure, dent, cougar. Mais c'est bon, ça va être géré. Ça va le faire. Ok, la navette de secours est arrivée. Ok. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Oh, Lorient, merci beaucoup pour ton resub. 6e mois d'abonnement. Merci de ton soutien, Lorient. Seitam, pourquoi tu n'es pas venu chasser alors que je te dis de chasser le cougar, s'il te plaît? Ok, Makina, parfait. Ça marche, Dimbest. Oh. Bonne nuit à toi. Ok. Alors, en termes d'énergie, on est bien. Là, on est clairement bien. Dazigi, ton pouvoir. Ah, il est inconscient. On va essayer de le recruter, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Si je peux avoir un furieux à 19 en mêlée, ça serait très bon, ça. Ça serait très très bon. Non, il n'est pas inébranlable. Il n'est pas inébranlable, du tout. Et il a déjà 11 en dressage, effectivement. Oui. Tout à fait, Lorient. Beaucoup plus facile. Léorette, t'as pris des patates? Ah oui, l'arbalète. L'arbalète, t'as pas fait du bien. Où en est Quentin avec notre crush? Alors, Wesna, social. Quentin. Romance. On tente? On tente. Allez, vas-y. Tente ton crush. Wesna a essayé de courtiser Quentin en racontant une fable à propos de droit. Quentin n'a pas répondu.
C'est pas un vent. Et c'est pas un oui non plus. Tu vois, pareil, tu forces le truc. On va tenter dans les deux sens. Au réveil, il est, c'est lui qui essaiera de te draguer. On regarde ça, on va voir exactement qui va choper qui. Mmh. Alors, la navette, ça c'est fait. Maladie grave. Perte de sang. Normalement, il est soigné. Hein. On en est où dans la fosse, là? Ça brûle toujours ou pas? Oh yes! Parfait! Ça a cramé les trucs, donc normalement, ils vont rien avoir à bouffer, si je dis pas de bêtises. Quoi qu'ils vont peut-être se nourrir des bestioles en train de pourrir. Le feu s'arrête, c'est juste un petit peu dommage qu'il s'arrête. J'aurais bien aimé qu'il continue. Le dressage de la jument. Oui, tu as raison. Où est-elle? Elle est là. Apprivoiser. Machina. Let's go. Ok. Transformation en goule. Parfait. Avancer. Et l'autre, on va regarder pour le coup de l'âge. Ici, ça réprime toujours. Ok, parfait. C'est pas un oui, c'est pas un non, c'est juste de l'indifférence. Exactement. Bon, moi, tu as décidé qu'il ne voulait plus que je voie les messages. Ah oui? Ça sent la personne. Non, Quentin. On ne renifle pas. Allez, on va essayer. Quentin... Let's go, c'est toi qui vas essayer d'attaquer Wesna. Va lui susurrer un mot doux à l'oreille pendant qu'elle dort. La tentative de Quentin de séduire a échoué. Quentin a charmé Wesna en plaisantant à moitié tout en complimentant ses antécédents familiaux. Wesna a ignoré. Alors c'est juste ignoré, c'est pas... C'est un râteau, mais... Pas le gros vent absolu, quoi. Ok. Ça, c'est fait. J'avais pas des arbres ici, là? Ah, ils sont là. Réservé. D'ailleurs, en parlant de ça, Panda, ouais, si Panda il a ce qu'il faut normalement. Eh non, Panda n'a pas des. Attends, ils ont pas des sangles? Wow. On va rectifier ça de suite là. Les deux esclaves n'avaient pas de sangles d'esclaves. Déjà pour la répression, c'est pas la même quoi. Le toggle studie de l'obélisque. Ah oui, exact.
Ah oui, non, non, faut que je l'étudie, là. Faut que je l'étudie. Hop, 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 tu as raison. Alors, la rébellion, il y en aura toujours, mais effectivement, ça limite quand même beaucoup, quoi. Oui, c'est à... C'est harné, ouais. Donc, je dis des sangles, mais c'est harné. On va retourner en expédition en dessous, là. Alors, une caravane marchande, des chamans, parfait. Grâce, ça m'embête, tous ces trucs de perdu, là. Alors, restes-tu là, ton Z-level? Non. Non, mais par contre, comme je disais, Jodok, je sais pas si t'étais là quand j'ai dit ça tout à l'heure, ça ouvre l'opportunité pour les modeurs d'avoir, entre guillemets, une base de code pour faire du Z-level. Parce qu'en gros, même ceux qui avaient lancé le Z-level avaient des difficultés de synchronisation entre les différents niveaux pour la gestion des ressources et tout ça. Là, c'est intégré de base en vanille. Ce qui donne de très bonnes choses. Je serais absolument pas surpris que d'ici très peu de temps, il y ait un Z-level qui soit mis en place. Alors après, on est d'accord que ça fera peut-être un Z-level sur un seul niveau. Mais au moins, dans les premiers temps, je veux dire, mais au moins, il y a la base. Honnêtement, je suis super confiant pour la suite, quoi. Je pense que la plus grosse difficulté a été faite en l'intégrant en vanilla au moins un niveau d'écart, quoi. C'est juste un changement de map avec un brouillard de guerre. Oui, oui, Kago. Mais c'est quand même assez instantané. Donc c'est plutôt pas mal. À voir comment ça peut être traité pour la suite. Alors, il a de la thune. Il a de la thune et il a du neutroamine. Ça, c'est bien, ça. Maintenant, je voudrais bien, c'est qu'il me rachète... Ah, il me rachète que dalle, quoi. Il me rachète rien du tout, quoi. Lobotomie terrifiante. Un bouquin de plus. Par contre, il y a des crises mentales. Déjà que celui-là, attraction des animaux, une petite merveille, c'est bien, mais bof bof, quoi. Alors, il a une graine d'arbre héros. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, ça. Si je peux avoir une graine d'arbre héros chez moi. On n'a pas fini un livre. Si, on a fini celui-là. Déjà déverrouillé. Un pour un, je pourrais faire ça. Cette graine-là m'intéresserait vachement, mais le problème, c'est qu'il a rien, quoi. Enfin, il a rien. Il rachète rien, pardon. Alors, attends, si. J'ai peut-être ça. Je peux peut-être en lâcher un petit peu. Mais ça va quand même me coûter cher, cette histoire. J'ai jamais testé le mode donjon. Il a l'air de proposer la même chose depuis la 1.4. Bon, honnêtement, tout ce que j'ai testé, c'est plutôt foireux, quoi. Tu l'as déjà aussi, leur bouquin ? Comment ça, je l'ai déjà aussi ? Non, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai pas. Lobotomie béatifiante. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ces trois-là. Hein. Ça, c'est ce que je suis en train de lui vendre, là. Bonne soirée, Zéro. Ciao, ciao. Donc en fait, celui-là, comme je l'ai déjà déverrouillé, c'est marqué en bas, là, je le revends et j'en achète un nouveau pour avoir celui-là. La graine, elle m'intéresse trop. Elle m'intéresse trop, 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 mais j'ai pas la thune. Parce que la graine, honnêtement, si je peux avoir un petit champ avec ce genre d'arbre, ça m'intéresse. Je mets ça ici dans le coin, là. Comme ça, je pourrais moi-même supprimer des cadavres sans forcément aller là-haut. Trop dangereux.
Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux lui lâcher... Je peux lui lâcher les animaux. Bonne nuit, Jodox. Mais ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Alors, une jument. Ça, je peux lui vendre une jument. Poulain, je vais en vendre un. Poulain femelle ici, j'en ai deux. Ok, c'est bon, c'est acceptable. On est bien. La facture, c'est acceptable. Ah mais oui, les béliers. Les béliers, j'en ai rien à foutre. Ah mais c'est vrai que je les ai récupérés, mais j'en veux même pas, moi. Ah, les béliers, on s'en fout, les gens. On est d'accord? Les béliers, là, c'était pas le, c'est pas le mindset, là. La laine de mouton, honnêtement, je m'en fiche. J'ai mon élevage de... De coyotes. De cobayes, pardon. À la base, c'était ça, hein. Ça, j'en veux pas, ça. Au pire, je garde un mâle, une femelle, mais tout le lot, je vends. Eh ouais, ouais, tout le lot, je vends. Allez, au pire, je garde un couple, un mâle, une femelle qui est enceinte, donc au moins, ça va repouper. Mais au moins, je fais ça. Le changement de map entre la 1.4 et 1.5, c'est que avant que tu crées une map, il fallait qu'elle soit reliée à la map du monde avec la 1.5. Il n'y avait plus besoin que la map soit créée, soit reliée. Ah, mais je referai les tests. Je pense qu'à mon avis, je suis confiant là-dessus. Excuse-moi, Vasna, j'avais pas vu ton message. Vends des moutons. Hein. Non, mais c'est sûr. Les brebis, les 4 brebis que j'avais récupérées, en plus, je voulais les buter à la base. Là, je les récupère gratis, donc c'est bien. Ok, on reprend. On est plutôt confiant au niveau de la thune. Nos 3 mines, je le rince. C'est ce que je veux. Les composants, il en a pas. L'art médicinal, j'en vends un peu, mais j'en ai 100, donc c'est bien. Les médicaments, il en a pas, ce qui est dommage. Sérum vision du néant. Alors, il a plein de différents sérums. Rempli d'un liquide noir qui durcit celui qui finit. Une fois injecté dans le système sanguin, le ferro-sang peut durcir la chair lorsqu'il participe. Anticipe un coup et ainsi augmenter la résistance aux dégâts. Composition chimique de ce sérum basée sur la biophérite rend néanmoins l'utilisateur particulièrement vulnérable au feu. Ouais. Du plastacier, ouais, ouais. Ouais, je peux acheter le plastacier, même si ça me coûte la peau des rouleaux, mais c'était pas le deal. C'est pas le deal, le plastacier, mais je vais en avoir besoin pour après, tu as raison. Écoute, on fait ça. Ok. Je pense qu'on va devoir aller faire une caravane commerciale. On va récupérer les drogues dehors. Non, je pense pas. Drogue, on s'en fiche un peu, quoi. Ok, ça prend forme petit à petit. Des composants, j'en ai encore ici à miner. On en est où, là, au niveau des crafts intéressants? Ah, les obus. Ah oui, 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 il faut que je fasse mon truc, là. Production, production. Il est où? Ah, je l'ai pas fait la recherche? Non. J'ai pas fait la recherche. Où est-ce qu'il est mon truc pour faire fondre là? Alors attends. Raffinage. Ah, j'ai pas fait la recherche du raffinage. Attention, confinement insuffisant. Comment ça, confinement insuffisant? ?2,6 ans, 5 ans.
2,5 ans, 2,6. 9 ans, 4 ans, 4 ans. C'est parce qu'il s'amuse à ouvrir la fermer la porte ou quoi? Tu as eu le message, ok. Alors, ces entités sont détenues dans des espaces qui ne répondent pas à leur capacité de confinement. Elles vont bientôt s'échapper. Ans. Ok. Alors, où est-ce qu'on va le planter? Je vais le planter ici. Là. Ok. Alors. Critique. Pas de corps frais. Pas de corps de colon. Pas de corps d'esclave. Enfin, tu me diras s'ils sont pourris. Ouais, on verra. Cadavres normaux, oui. Ok, parfait. Voilà. Les carcasses y sont. Carcasses d'animaux, elles y sont toutes. Pas de soucis. Il me saoule. Ici, ça avance petit à petit. Refais un petit discours. Un petit discours. Let's go. C'est le discours. Nous retournons bientôt en bas. Préparez-vous, j'ai une blague pourrie en poche. Parfait. Parfait, parfait. Lui, il est toujours en effraise. Dazigi, tu peux toujours pas faire ton pouvoir de conversion, je suppose. Ah si, tu peux. Let's go. Pas assez de bancs. Ouais, j'ai vu. Hop. Ça donne moins de bonus.
Peut-être pas forcément un malus, mais moins de bonus. Ça fera rien. Ok. Est-ce que je peux faire un rituel de conversion ? Désactivé, pouvoir en rechargement, il sera disponible dans 3 jours. Ah bah d'accord, c'est comme tous les pouvoirs quoi. On en est où là ? Alors. Déjà on aura... Oh, ils vont crever de faim je pense. Ils vont crever de faim dans pas longtemps. Mais il va falloir qu'on y aille. Déjà, ne serait-ce que pour les composants, effectivement. Ouais, ça a bien ouvert. Ça aussi, là. Ah là là. Ça me fatigue. Le warg, je le sens toujours pas, lui. Chef-d'œuvre. Machina a créé un banc. Parfait, nickel. Allez, go. On va supprimer le warg. Ça serait tellement bien que tu aies une inspiration, Quentin. Pour essayer d'aller dresser l'ours. Le grizzly, ça serait nickel, quoi. Je veux bien garder l'ours sur la carte, hein, pour le au cas où. Hein. Sauvage que je vais récupérer les machines à tuer. Alors, ici, c'est toujours pas récupéré. J'ai ça à démolir. Machina. Réservé par Ner Ariel. Ok, vendu. Tiens, va me cramer tout ce qui a été porté par les morts. Et je sais qu'il y a des bons trucs, mais on peut rien en faire. C'est tout ? Y a rien d'autre porté par les morts ? Non. Putain, on a tout ça à aller vendre ? La deuxième veste, on a dit qu'elle était pour qui ? Elle était pour la deuxième blouse, pardon. La deuxième bonne blouse. Excellente. Elle est pour The Best, je crois. Ok, parfait. Et c'est qui qu'on a mis en recherche en troisième ? Qui aide aussi ? C'est Quentin, justement. Quentin, t'as quoi, toi ? Juste une veste en fourrure, ok. Et merci beaucoup pour le follow, Sidoux. Tranquillement, on approche des 1400 followers, les gens. Je vous remercie beaucoup. Mon objectif est à 1500. 3 personnes et on est à 1400. La dernière ligne droite, quoi. Ok, crise de colère. Pourquoi ? A été entraîné dans une crise mentale après avoir lu l'almanach des tourments merveilles. Ah oui, super. Attaque mur en ardoise. J'ai pas le truc. Non, bah non. Ok, c'est bien. Ça commence à péter les meubles. C'est parfait. Si, le sérum que je veux tester, c'est celui-là.
Mais ça, c'est quand on part en expédition, ça. Répéter jusqu'à en avoir 5. Ok. Bon, c'est bien, au moins tu pètes ton propre lit, mère Ariel. Faut voir le bon côté des choses. T'es en colère contre toi-même, c'est bien. Ah, les fusées. Les fusées, t'as raison. Les fusées, où est-ce qu'elles se font ? Elles doivent se faire ici. Façonneur de bioférite. Alors... Ah, le masque du rituel se fait ici. Parce que honnêtement... Alors, 33, 15, 15. Seuil de choc à la douleur. Ah, il y a juste le seuil de choc à la douleur qui est pas en place. Mais par contre, au niveau de l'armure, c'est quand même mieux. C'est vraiment just for fun d'avoir ces casques-là. Les obus de résurrection, alors ça... jusqu'à en avoir... on va en mettre 5 pour l'instant. Même pas. Je vais en faire. Je vais plutôt en fabriquer 2 pour l'instant, parce que ça coûte super cher. Pack de résurrection. Alors ça, on a dit qu'on a récupéré les fragments. J'en ai pas de fragments. Hein. Je sais plus si j'en ai récupéré au précédent stream. Je crois que si. Non, j'en ai pas récupéré de fragments. Fabriquer pack de fusils disruptives. Alors, qui tient des fusils disruptives ? À l'impact, la fusée fait exploser une capsule de bioférite générant un éclair lumineux aveuglant et une onde de choc psychique qui étourdit les créatures et sensibilité psychique. Dévoile celles qui étaient invisibles et réduit temporairement leur conscience et leur vitesse de déplacement. La fusée continue ensuite d'illuminer une vaste zone pendant un certain temps. Ok. Je veux en avoir 3 de pack. Et la capuche cérémoniale, c'est quoi ça ? Masque de cérémonie, généralement porté par les adorateurs du néant. Ok, on s'en fout. Sur les entités, 50% de chance ou les loots de sacs de chair. Ça marche, Kago. J'ai un concert de chouette dans le jardin, je sens que mon lit va être complexe. Ah ouais, la loose, quoi. Tu as utilisé le tien pour faire un inhibiteur pour les entités. Ah oui, c'est vrai, Galgarad. T'as pas viré la capuche, chelou ? Bien vu, Wesna. Merci. Bon, je peux pas penser à tout, là. Ah, il me remet une pièce. Il t'a plus que 15 heures pour accepter, Gérard. Ouais, c'est bien. J'en veux pas. $800 d'or pour avoir une pièce, truc, oh là là. Ah voilà, je peux en faire une moins chère. Ok, on va réfléchir. Tu as viré le lance-obus. Le lance-obus. J'ai toujours mes deux obus de résurrection. Mes packs de fusées. Tu as pas de fragments.
Et je sais que j'ai pas de fragment. Déjà, ça, il faut que je l'active déjà. Je sais que j'ai pas de fragment. Mais c'est pas grave. Pack de résurrection, pour l'instant, je peux pas en faire. Donc. Oh, le jeu me troll. J'adore ça. J'adore quand le jeu me troll. Makina avait une inspiration de dressage il y a même pas une heure et là il m'en redonne un quoi. Je suis dégoûté quoi. Je suis dégoûté. C'est pas grave. Non, je peux pas, l'ours. Pas le level. C'est pour ça que je dis que le jeu me troll. J'en suis au niveau des animaux, au niveau de l'abattage, là. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la fête, là. Ah, oui, c'est la fête. Oui, c'est un peu la fête. Femelle adulte... Ouais, 5... Et jeune femelle, ouais, 5 aussi. On est pas mal déjà. Ça fait beaucoup déjà. Le boomalope pour le kérosène? Non, j'ai un problème avec le feu, moi. C'est que le feu, ça... Ça, hein, m'as compris? Ok, petit à petit ça avance. Alors là ça fait là, là ça fait là. Tac tac. Une porte ici. Ok. J'ai mon chemin ouvert ici où est-ce que je choisis mes batailles. Pas de soucis. Ouh, bien vu, Wesna. Pas de porte en métal. Oh là là. Telle une demi-déesse, tu surveilles mes conneries. Bien vu. Non, non, t'excuses pas, t'as raison, c'était une connerie. Évitez de m'appeler maman. On en est où, là, au niveau du chopage, là? Wesna, oh, c'était moche avec ton bonnet, Wesna, excuse-moi. Mais t'es vraiment... ça te va pas bien. Social. Toujours pas de romance. 12 jours avant de réessayer, c'est nul ça. C'est quoi le problème avec les portes en métal? C'est que ça brûle, Lorient. Si tu n'as pas vu mes différents let's play, je te conseille d'aller voir la campagne Rimhammer. C'était assez parlant. Ok, j'ai mes deux obus. Pour le cas où. Ouais. C'est du Johnny. Ouais, non, mais c'est. Je vous rassure, hein, ça a marqué plein de gens. Moi aussi. Bon, ils en sont où là? Ils sont en PLS ou pas? Ils sont pas en PLS, mais ça ne serait tardé, je pense. Ma nutrition moyenne. Ouais, ça va claquer. Ça va claquer et on va y retourner.
Alors, au niveau du codex, on en est où? Ok. Je suis toujours embêté avec ce nuage. Qui réduit énormément mes capacités. Il y a 3 ans déjà ? Oh, je sais plus. Honnêtement, j'en sais plus. Je sais plus. Pour la sécurité, il faudrait faire un sas avec une porte extérieure en acier et l'intérieur en pierre. Les aciers s'ouvrent plus vite pour se planquer plus vite. Ouais, c'est pas bête. Progression de l'étude de l'obélisque. L'étude de l'obélisque a permis de déterminer qu'il s'agissait d'un appareil archéotechnologique capable d'interagir avec des créatures organiques à distance. Ce dispositif obtiendrait une structure bien plus imposante, détruite il y a fort longtemps. Son mécanisme est d'une complexité et d'une puissance défiant la compréhension humaine et tout aussi mystérieux que son utilité ou son mode d'action. S'il n'est pas détruit, son niveau d'activité augmentera avec le temps. Impossible de dire ce qui pourrait advenir si l'appareil s'active complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux le détruire maintenant? Je peux lui faire sa fête à l'obélisque? Parce que moi, je le détruis. Hein. Bon, même s'il n'est pas très dangereux à première vue, mais je sais qu'il peut faire des doubles. Mais je sais qu'il peut doubler aussi toute ma colonie. Et toute ma colonie avec des clones maléfiques. Je pense que c'est celui-là. C'est bien, Saitam. Entraîne-toi. D'ailleurs, ça me fait penser, en termes de... Ouais, mais non, recherche, je suis bloqué. En termes de recherche, je suis bloqué. Alors, je vais réautoriser les lièvres. Lièvres et tortues. Pour la simple bonne raison que tant que je suis pas revenu avec ma goule, j'ai pas besoin de chair fraîche. Et en plus, de toute façon, j'ai de la viande difforme. Mais je me doute bien, ouais, Lorient. Je me doute bien que c'est un peu le carnage, quoi. Bon, pour l'instant, les sols sont pauvres pour la simple raison que je garde tout mon tissu parce que je veux finir la salle du trône. Donc c'est focus là-dessus, quoi. Nerariel, on va peut-être te rendre le lit. T'as dû partir dans une autre chambre, je pense. Mais je te réaffecte celle-là. Je travaille mon stock parce que mon stock de foin est en train de descendre. Forcément, j'ai beaucoup d'animaux là. Même si ça reste gérable. Alors, du bois, des pommes de terre. Let's go! Allez, on va faire du commerce. Alors, Makina, tu es très bon en commerce. Silig aussi. Dazigi, tu te débrouilles bien. Safralan, tu vas mener les négociations à terme. Westna, tu vas aider pour les termes. Et Seitam, il faut qu'on t'explique comment ça se passe les négociations. Alors, 6. Hop. On y va dans 0,8 jours. Plat raffiné si vous voulez. Plat simple. Ok, un peu de foin. Médicaments, ça va le faire. Un sac de couchage, il n'y a que 5. Bah, c'est pas grave, il y en a un qui dormira à poil. Tu as câblé ton générateur? Oui, Kago. Je vais revérifier, mais oui. Allez, allons négocier avec eux.
Il est câblé en... pas en double, en simple. Mais justement, je voulais le doubler pour le cas où. Voilà. Il est doublé en... il est doublé. L'énergie, on est bien là. J'ai trop de bois à mon goût, donc je pense qu'il y a un moment donné, je vais pleurer, mais pour l'instant, c'est pas grave, je reste comme ça. Beaucoup trop de bois ici. Si jamais j'ai un accident électrique, je peux très vite regretter cette campagne. Et à votre tour de négociation, on va aller finir la fosse là. Là ici, ça va crever tranquillement. Voilà, c'est en PLS. Ta boucle de clame ne fait que générateur plus panneau solaire. Et relié après par un simple. Oui. Oui, il est relié ici. Je peux le doubler là. Je peux le doubler ici. On a beaucoup d'acier. Oui, on a du stock. Enfin, oui. Si, on en a un petit peu. On a 500 et quelques. 600 et quelques. Qui est plutôt pas trop mauvais. Il faut qu'on prépare les fringues pour les enfants. Alors, t-shirt d'enfant. Répétez jusqu'à en avoir un de qualité excellente. Pantalon d'enfant, même principe. Et parka d'enfant, même principe. Let's go. L'atelier de bioférite, pour l'instant, j'ai juste fait donc des obus de résurrection, j'en ai fait que deux, parce que ça coûte cher. Et les packs de fusées disruptives, j'en ai trois. J'en ai trois. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été stockés, mais j'en ai trois. Attends, je les ai pas fait. Ah, il me semblait que je les avais fait. Pardon. Autant pour jeu. Merci, Quentin. Tu as remarqué... Je vérifie ce que tu es en train de dire parce que c'est peut-être une bonne, bonne raison. Et après, je te réponds, Quentin. Mais je te remercie. Oui, ils sont équipés, t'as raison. T'as raison. Eh ben, je vais en faire trois autres. Pack de résurrection. Et ça, je l'ai depuis tout à l'heure, celui-là. Ils ont dû être pris ici. En fait, Quentin, tu as remarqué depuis tout à l'heure qu'à chaque fois que je descendais dans la grotte, je bataillais pour repartir, que je repartais sur la map monde, c'est ça? Tu as eu pitié de moi? Merci. Et tu sais quoi, j'ai toujours cette phrase là à chaque fois. Bon, je peux pas penser à tout, là. Voilà. Boys. Bah il a toujours son asthme. Ça serait bien d'ailleurs si tu veux sauver Boys. Qu'on récupère dès qu'on a des prisonniers, qu'on en a rien à carrer, on va récupérer ça. On va récupérer des poumons.
On peut récupérer un poumon sur Panda. Ouais, on va essayer de voir plutôt sur de l'inébranlable ou quelque chose comme ça, quoi. Manque des doigts aussi à des colons ou d'autres. Oui. Ou à une future ghoul. Exactement, Screener. Bonne remarque. On en est où au niveau des recherches? Alors, la microélectronique s'avance bien. Parce qu'il faudra à tout prix que je fasse ça. Grenade et lanceur UM. Ici, on avance là-dessus. Amélioration des ghouls, donc ça c'est cool. On va pouvoir booster, fabriquer des prothèses en bioférite pour rendre les ghouls plus puissantes. Et surtout la résurrection ghoul afin que je revienne. On pourra peut-être en acheter des UM. Oui, j'ai pensé faire une caravane marchande avec tout ça là. Tout le stock qu'on a en trop là, on va le vendre. Le doigt, on les répare comment? En mode avec une prothèse. Il y a des prothèses. Les prothèses classiques. Tu les as ici. Prothèses de bras. Alors, il y a moins de prothèses, on est d'accord. Mais au moins de base, tu as les prothèses de bras. Et après, il y a les prothèses un petit peu plus avancées. Que je ne dise pas de bêtises. Tu as les prothèses bioniques. Prothèses bioniques, là, tu vois, c'est un petit peu plus évolué. Mais tu as toujours pareil. Tu as toujours le bras. Et en fait, le bras, ça fait tout. Il n'y a que quand tu fais les modes où est-ce que tu peux détailler les mains et tout ça. Ouais, c'est exactement ça. On enlève un ou deux... enfin, on enlève tout le bras pour un ou deux doigts, quoi. Alors, fête de l'épervier, ok. Colon de soin, ça, c'est Boys. La caravane. C'est quoi, ça? Alors, un écuyer de l'Empire vous présente une requête. Elle voudrait que vous preniez soin de son animal favori. Un toxilope. Super. Pendant 25 jours. Atteint d'abasie, paralytique et doit être maintenu au lit. Dominica est un cadeau qu'Antonia a promis à son enfant pour une cérémonie de mariage. Pour essayer de cuire à ce mariage, la faction envoie des diablotins après elle. Si vous acceptez, il y aura deux raids d'une force similaire à 7 archers, 4 archers, 2 archers lourds, 9 chasseurs, 11 chasseurs, 1 chef. Par contre, on gagne 50 en entente au niveau de l'Empire. Il y a du monde. Il y a du monde. Ça crache du feu, on a une base de bois. Effectivement, maintenant ça dépend. Si jamais c'est un raid aérien, on est dans la merde. Si c'est un raid terrestre, ça se gère. Je vais réfléchir. Le raid 2x30, ça peut faire peur, effectivement. Ok. Ah, oh, salut les bougeux. Oh, je vous cache pas que ça va faire mal.
Alors, on en est où? La configuration, elle est plutôt propre. Voilà pourquoi je veux les fusils à pompe, les gens. Le burst du fusil à pompe, il est... Voilà. Le burst du fusil à pompe, il y a pas photo. Moi, je préfère largement le burst fusil à pompe. Je sais qu'il y en a qui jouent avec d'autres trucs. Moi, personnellement, c'est celui-là. Parce que pour le close combat, il n'y a pas mieux. Il n'y a clairement pas mieux. Non, pas démolir, qu'est-ce que je fais, moi? Chat. Revendiquer, merci. Si, ils sont là, les chevaux. Ok, let's go. Alors, reformer une caravane. Tac. Tac. Ok. On va aller chercher du bois maintenant. C'est important, le bon voisinage. D'entretenir le bon voisinage, c'est important. Les copains, tout ça, quoi. C'est exactement ça, Safralen. C'est le steak frites. Ok. Oh, ça va être violent encore. Hein. Alors, on est comment? Alors... Taper trop fort. Taper trop fort. Et c'est ça le problème, c'est que quand on s'en passe à force, bah voilà. Et le problème, c'est que comme là, j'ai pas de mode bah, du style. Comme j'ai pas de mode qui permet de faire du side arm, donc de prendre des armes qui sont un peu moins bourrines, bah je suis obligé de faire au mieux. Et en faisant au mieux, bah. Ouh, épaule droite écrasée.
Ah ouais. Là, par contre, on a un problème. J'ai voulu faire les prisonniers. Ça s'est pas tip-top bien passé. Là, il y a du gros bobo, là. Silic, t'as un gros bobo. Alors, on va pouvoir re-rentrer. Il sera soigné dans la caravane, t'inquiète pas. Oh, les sacs de couchage, parfait. Bon, le bois, je savais parfaitement que je pouvais pas tout prendre. C'était juste histoire de compléter un petit peu. Et de ramener de la viande. Le bois, c'est pas ce qu'il y a de plus primordial. Alors, sur la caravane, Silig a été soigné. Par contre, il n'a plus d'épaule droite. Ce qui veut dire qu'en gros, après, on va rusher les prothèses. On va rusher les prothèses. Il me faut une vraie bibliothèque. Ça, on va le bouger, ça. Ça, on va le bouger. Alors... Je sais même pas à quoi ça sert cette zone de stockage, ça je m'en fous ça, il n'y a plus rien depuis un certain temps. C'est quoi le truc au-dessus du cercle du rituel ? Le truc au-dessus du cercle du rituel. Ça, c'est seul cannibale. Pour ça, il me faut de la chair humaine. Ok, je pense que j'ai trop d'animaux. Il va falloir que je taille dans le gras. Je peux toujours pas accepter la quête des diabloïdes tant que j'ai pas ça. En sachant que la quête des diabloïdes, il y a deux risques. Le premier risque, c'est que ce soit un raid aérien. Ou est-ce que là, ça va être rencontre à Hockey Coral. Et le deuxième risque, c'est que si jamais ils ont des brécheurs, ils vont taper dans les murs. Même si jamais ici, c'est ouvert. Si jamais ils arrivent de ce côté-là, ils vont quand même déterminer que c'est beaucoup plus rapide de péter un mur de ce côté-là, par exemple. Plutôt que de faire tout le tour. C'est les deux risques potentiels. Vire les moutons, ils servent à rien. On va aller les vendre au pire. J'ai vraiment besoin de thunes, pas vraiment de viande. Par contre, dès que je passe en dessous de 1000 ici, si je passe en dessous de 1000, je vais taper dans le cheptel. Obligé. Qui est plutôt Pim Pam Poum, the best. C'est Pim Pam Poum, toi.
Ils font de la laine, mais j'en ai pas besoin. En fait, j'ai un élevage de cobayes. C'est pour ça que j'ai un élevage de cobayes. C'est pour avoir beaucoup de pims pour les ghouls à manger. Et en gros, c'est pour ça, quoi. Oh, il est pas mort l'autre là-bas. Ah, il a bouffé ses potes. J'aurais pris une arme classique pour éviter de les démolir. Ouais, mais tu vois, je reviendrai. Si jamais il y a des trucs intéressants, je reviendrai comme tout à l'heure. Après, oui, le risque, c'est qu'il y a un truc beaucoup plus important qui pète. Grondement de la fosse. Le sol tremble sous vos pieds et les hurlements inhumains résonnent dans la fosse, semblant se rapprocher. Quelque chose va bientôt en sortir. Ah, merde. Merde. Zut, 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 et zut. Ok. Vous avez découvert un Amalgor. Cette gigantesque créature semble constituée de dizaines de petites abominations de chair. Il semble avoir un lien psychique avec la masse de chair qui soutient cette caverne. Si vous le tuez, vous pourrez déstabiliser l'ensemble du réseau de grottes. Ok, j'ai trouvé mon copain. Parfait, c'est ça que je voulais... Ok, c'est nickel. Ça crame. Ça crame. Alors. Ici, on a des sorties. La caravane. Elle est loin. On a pas mal de créatures en train de sortir. Est-ce qu'on est capable d'assumer le combat pour l'instant? La réponse, c'est non. Ce qui veut dire qu'en gros, le début du combat va se faire sans le reste de la caravane. Ce qui peut paraître très compliqué. Est-ce qu'on va se battre? Oui. Est-ce qu'on va perdre? La réponse, ça sera pour mercredi soir, les gens. Mercredi soir, joli petit cliffhanger. On finit là-dessus. Des recherches de disponibles. C'est la fête. Canton souhaite organiser une fête pour notre futur potentiel mort. La caravane est en train de rentrer. Est-ce qu'on va crever? On verra bien. Merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité, des follow, des subs, des resubs, des beats. Merci beaucoup, les gens. Et je vous donne rendez-vous donc... mercredi soir pour la suite et peut-être la fin de cette campagne, mais en tout cas, je vais pas me laisser faire, quoi. Bye bye les gens.